Bien. Alors, aujourd'hui, on va voir un peu les macros et leur utilisation pour les et l'utilisation des tableaux de bord. On va faire un peu les macros et les tableaux croisés dynamiques avec un mélange qui nous sortira vers des tableaux de bord à la base de données. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon fichier? Quel est mon objectif? Là, j'ai par exemple une base de données. Je vais supprimer tout ça. J'ai une base de données des commandes qui est vite. J'ai le client, le devis, la date de la commande, le pôle, le type, le montant et la date de livraison. Vous pouvez faire ça pour la facturation ou pour autre type de stockage de données que vous voulez. Nous, on prend cet exemple-là pour qu'on puisse travailler dessus. Et d'un autre côté, au lieu de saisir ici dans nos data de commande directement, on va créer pour notre utilisateur un formulaire de saisie qui me permettra de saisir une commande et de l'ajouter ici automatiquement grâce au macro. Voilà ce qu'on va faire. J'ai ici une liste de références. Ça, c'est mes listes que je vais choisir dans mon formulaire ici. Quand je vais cliquer ici, il va me donner une liste de clients. Je vais choisir le client. Qu'est-ce que j'ai comme données? J'ai les types, le pôle et les clients. Ici, dans la saisie de commande, je vais choisir un client, je vais choisir un pôle et je vais choisir un type grâce à la validation de données. Maintenant, vous êtes familier à la validation de données. Et je vais saisir la date de la commande, le montant et la date de livraison. Et quand je cliquerai sur Enregistrer ici, il va m'ajouter la commande automatiquement sur cette ligne-là. D'accord? Il va l'historiser au fur et à mesure, comme ça, les gens ils vont pas à, ils n'ont pas à saisir tout ceci. Après, lorsque je clique sur Nouveau, il va me vider ce formulaire-là. Et à la fin, je vais créer un menu. Vous faites ce que vous voulez dans le menu. Je vais créer un menu de l'application. Lorsque je clique par exemple sur la saisie de commande, il va me ramener sur la saisie de commande. Lorsque je fais, ben, je ne l'ai pas encore fait. Lorsque je vais revenir. Je suis sur la saisie de commande. Lorsque je clique sur retour, il doit me faire retourner sur ce tableau de bord. Et lorsque je clique sur tableau de bord, il va m'afficher un tableau de bord que j'aurais créé à la base de la saisie de toutes mes commandes. D'accord? On y va. Alors, on va commencer par la chose suivante. Là, j'ai mes références. Ici, enfin, je vais mettre les types. Les pôles et les clients. Ils sont vides, je vais les remplir. Par exemple, les types de produits, les types de services que vous offrez. Les types de services, vous me donnez vos propres types pour qu'on puisse les adapter. Ou je garde les miens. Je suppose que ce sont mes types. Mes pôles et mes clients. Alors, voilà ce que je vais faire. Premièrement, je vais aller sur formule, définir des noms, plutôt gestionnaire de noms, et je vais enlever tout ça. Je veux pas. Il faudrait que je supprime une par une pour qu'on ait un fichier j'ai rien du tout pour que je puisse reprendre ça c'est les segments je les laisse tranquilles pour le moment. Bien. Alors, le macro, il vous permet d'automatiser un ensemble d'actions que vous allez faire et de le reproduire à chaque fois que vous en avez besoin. Si par exemple,
je veux enregistrer une facture. Tout le process que je vais faire à la main pour enregistrer cette facture et de faire du copier-coller par exemple et de les mettre au niveau de la ligne, il se ferait automatiquement à chaque fois que je vais. Vous le faire intelligemment pour que ça marche. Voilà. Par exemple, je veux vider mon formulaire. Si je veux le vider à la main, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça. Cette commande, je vais me mettre ici, je vais faire par exemple sucre, je vais faire ça sucre, je vais faire ça sucre, et ainsi de suite. Lui, il le fait. Il enregistre toutes les actions que je fais, il l'écrit dans un programme, on va le voir tout à l'heure, et il vide, au lieu de refaire à la main, vous créez un objet, vous l'affectez, vous l'associez à une macro, et la macro s'exécute à chaque fois que vous voulez le faire. D'accord. Au fur et à mesure, on va voir l'utilité de ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, ça facilite énormément de tâches. Normalement, vos fichiers doivent être automatisés. Vous n'aurez pas tout ce qui se répète sur vos applications, vous l'automatisez. Alors, on y va. Maintenant, je commence par... Soyez un peu patient. Au fur et à mesure, vous allez comprendre ce qui se passe. Bien, je vais créer ce formulaire. Alors, je vais créer... Je vais enlever ce tableau de bord, je le supprime. Bon, je vais commencer par mon fichier brut. Je prends un fichier là où il n'y a rien. Voilà. Je n'ai que les références et c'est à vous d'adapter par rapport à vos besoins. Ça, c'est une base de référence que je vais réutiliser tout le temps. Ça, c'est ma base de données, des commandes. Et ça, c'est mon formulaire saisi de commandes. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais supprimer cette feuille. Je n'ai rien du tout. Je l'enlève. Après, je vais aller sur développeur. C'est juste pour nettoyer. Hein. Je n'ai pas de macro. Je n'ai aucune macro. Bien. Premièrement, je vais... construire mon formulaire. Mais avant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà nommé, regardez, je vais aller sur formule, définir les noms, plutôt gestionnaire de noms, et je vais enlever tous les noms de plages que j'ai pour qu'on puisse les refaire à nouveau. Voilà. Alors, j'aurai besoin des types pour lister mes types. Dans mon formulaire, j'aurai besoin de mes pôles. Ça n'a rien à voir avec les macros. C'est juste pour vous rappeler un peu ce qu'on avait fait avant. Je vais lister les pôles et je vais lister les clients. Pour faciliter la vie, il faut que je nomme mes plages de données. Je vais être paresseux cette fois et je vais définir toute la colonne. Je prends toute la colonne et je vais la nommer, par exemple, celui-là, c'est type. Je t'apprendrai. Je vérifie est-ce que je l'ai ou non. Je l'ai. Voilà. Je prends l'épaule. Je la nomme Paul. Je tape entrée. Je vérifie est-ce que j'ai Paul. Je l'ai bien. Je sélectionne toute la colonne client et je la nomme client par exemple. Je tape entrée et j'ai trois plages. Une qui s'appelle type, une qui s'appelle Paul et une qui s'appelle client. Très bien. Je vais créer une nouvelle feuille. Que je vais renommer, je fais saisie des commandes. Je me mets là et je vais travailler sur mon formulaire. Je vais aller rapidement sur le formulaire pour passer à autre chose. Alors, voilà, je vais là. Et qu'est-ce que je fais? Je fais une sélection ici. Je fais touche droite, copier. Je me mets là. Mon formulaire commencera ici. D'accord? Ici, par exemple. Ah, et je fais un collage transposé. Maintenant, tout le monde sait faire ça. Très bien. Je l'arrange. Je vais sur accueil. Je l'aligne comme ça. Et je vais prendre cette partie-là, de là à là. Et je vais la remettre comme ceci. Non. Je vais mettre là. Je vais insérer une petite ligne là. C'est juste pour la forme, tout ça.
une petite ligne là, j'insère une ligne là, pour que mon fichier ait l'air d'un formulaire correct. Insertion, je me mets là, je fais insertion. Alors, je me mets sur cette cellule là, je fais contrôle, cette cellule, cette cellule, cette cellule, cette cellule, cette cellule et cette cellule. Et je vais lui donner une bordure comme ça. Je prends cette cellule là, cette cellule là, cette cellule, cette cellule, cette cellule, cette cellule, cette cellule. Je vais la rendre un peu italique, gras. Et je vais lui changer de couleur d'arrière-plan par exemple. Je la mets comme ça. Ces cellules là. Alors je me mets, bon, j'ai fait une bêtise, je me mets sur tout le formulaire et je lui change de couleur, par exemple, je le mets comme je veux, je le mets comme ça, par exemple. Et après je vais prendre ça, 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 je fais avec CTRL là, et je vais leur changer de couleur d'arrière-plan, comme ça. Après, je prends celle-là, 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 et celle-là. Et je vais leur rendre l'arrière-plan qui est là. Ça aura l'air d'un formulaire. Après, je vais aller sur insertion, par exemple, et je fais forme, et je vais prendre une forme qui ressemble à ça. Je la mets ici. Je vais prendre une deuxième forme, insertion, forme, et je vais prendre un formulaire comme celui-là. Voilà. Cette partie-là, elle prendra, mais je double-clique et je lui change de... Alors ici, je fais modifier le texte, par exemple. Là, et je fais saisie des commandes. Je vais l'agrandir un peu. Et je vais la centrer ici et là. Là, j'aurai un formulaire de saisie. J'aurai besoin d'un bouton pour une nouvelle commande, d'un bouton pour enregistrer et d'un bouton de retour sur le menu. On y va. Je fais insertion, forme automatique. Je prends quelque chose qui va me servir de bouton. Voilà. Je vais le mettre en forme. Et je mets comme ça, par exemple. Ou comme ça. Et je fais modifier le texte. Et je fais nouveau. Et là, je me mets là, je vais l'agrandir un peu, je le centre, et j'aurai quelque chose qui ressemble à un bouton. Bon, je suis paresseux, non. Je vais faire du copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, je le mets là. Comme ça, je garde la même taille, CTRL-V, je le prends et je le mets là. Ici, je vais faire enregistrer. Enregistrer et là je fais retour en menu, je fais menu. Voilà, mes boutons ils sont là. Maintenant il faudrait pas qu'ils cliquent ici, il faudrait que je le laisse faire seulement sur mon formulaire. Voilà ce que je vais faire. Voilà, je sélectionne toutes les cellules en cliquant ici, je fais touche droite, format de cellule. Je vais aller sur protection et je verrouille tout. D'accord? Après, je vais aller sur cette cellule-là, cette cellule-là, cette cellule, cette cellule, cette cellule, cette cellule et celle-là. Et je fais touche droite, format de cellule et je fais protection et je le déverrouille. C'est celle-là sur laquelle l'utilisateur va travailler. Et je fais OK. Maintenant, je vais aller sur... où est-ce qu'il est, révision, et je fais protéger la feuille, et je fais sélectionner
seulement, je dois seulement sélectionner les cellules déverrouillées. Qu'est-ce que je gagne? Je gagne le fait, si je fais tabulation, il va circuler seulement sur ce formulaire. Il ne va toucher à rien du tout ici. Voilà, je le gère. D'accord? Maintenant, je vais aller sur cette cellule-là et je vais lui dire, regardez, il va me prendre d'où il va me prendre mes clients de cette liste-là, de cette plage-là. Voilà ce que je vais lui dire. C'est donné, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a? Donné, c'est à cause de la protection. Allez, je reviens sur révision et je fais ôter la protection. Je n'ai pas mis de mot de passe pour le moment. J'ôte la protection pour que je puisse travailler. Après, je vais revenir dessus. Je fais donner, je fais validation de données. On avait dit qu'on fait quoi? On fait liste. Et dans la source, qu'est-ce que je fais? Je fais F3 et je vais lui dire, tu me ramènes les clients de la liste des clients. D'accord? Après le pôle, je fais donner, validation de données, je fais liste et je fais F3. Il va me prendre à partir des pôles. Je fais OK. Qu'est-ce qui reste? Il me reste le type. Le type, validation de données. Je fais liste et je fais ici F3 et je suis sur les types, c'est ça? Et je fais l'entrée. Alors regardez, il va me lister les clients de là, les pôles, il va me lister de là, et les types, il va me lister de ma base de types, et à chaque fois que je rajouterai des types, ils vont enrichir ma liste. Jusque-là, il n'y a pas de macro, il n'y a rien. Bien, revenons. Ici, par exemple, la date de livraison doit être supérieure ou égale à la date de la commande. D'accord? Alors, on va y aller. Regardez, je fais ici validation de données. Je me mets sur la date de livraison qui doit être supérieure à celle-là, supérieure ou égale. Regardez, je fais la date de livraison et je fais validation de données. Et cette fois, je fais date. Je choisis date. D'accord? Ça peut être sur les montants et ainsi de suite. Vous voyez, il y a pas mal d'autres choses. Alors, date, et là, la donnée doit être quoi? Supérieure ou égale à? Supérieure ou égale à quoi? À la date de commande. Je clique ici, il me donne la cellule avec laquelle il doit vérifier. Je fais F4 pour qu'il soit absolu. Il pointe toujours avec cette cellule-là. D'accord? Et je fais OK. Je vais un peu l'améliorer dans la validation de données. Ici, je vais lui dire message de saisie. Je fais alerte. Ici, titre, je vais faire erreur. Ça, on l'a vu. D'accord? Je vais lui dire la date de livraison doit être. supérieur ou égal à la date de commande. Ça, c'est pour avoir un formulaire intelligent. Alors, si je mets, par exemple, une date ici, le 07, par exemple, 01, quoi, 2017, d'accord? Et si je fais dans la date de livraison 106 par exemple, là quand je clique, il va m'afficher la date de livraison et ce qui doit être supérieur ou égal à la date de. Alors, ça c'est pour gérer les erreurs que peut faire un utilisateur normal. Voilà. Maintenant, je vais automatiser tout ça. Regardez. Je vais lui dire. Je vais lui dire la chose suivante. Quand tu cliques sur ce bouton-là, tu dois me vider ce formulaire. Quand tu cliques sur le bouton nouveau, vide-moi les ondes de saisie. Allez, on y va. Normalement, quand je le fais à la main sans la macro, qu'est-ce que je fais? Je vais aller ici, je vais supprimer,
Je vais aller là, je vais supprimer. Je vais aller là, je vais supprimer. Aller là, supprimer. Aller là, supprimer. Aller là, supprimer. Aller là, supprimer. Eh bien, je vais lui dire de faire la même chose. D'accord ? Pour enregistrer une macro. En fait, une macro, c'est quoi ? C'est un programme VBA qui s'écrit en arrière-plan. D'accord ? Qui s'écrit en arrière-plan. Et c'est transparent pour celui qui ne connaît pas la programmation, mais on peut le modifier si on veut. En général, c'est des astuces, c'est des arrangements qu'on fait dans le code pour ne pas reproduire toute la macro. On n'écrit pas réellement la macro à la main. Alors voilà ce qu'on va faire. Pour enregistrer une macro, je vais aller. Alors la macro, vous pouvez la voir dans dans affichage, je crois. Et il y a ici macro. Mais si vous voulez travailler confortablement avec les macros, vous ajoutez l'onglet développeur ici. Bien. Je vais enregistrer une nouvelle macro. Alors là, c'est le Visual Basic. C'est-à-dire le programme qui serait écrit lorsque je vais enregistrer la macro. Là, c'est la liste des macros. Et ici, si je veux enregistrer une macro, vous la voyez ici, vous avez la même chose là en bas. Vous voyez ? Alors, je vais enregistrer la macro suivante. Alors, lorsque vous enregistrez une macro, il faut faire très attention à ce que vous faites parce que tout ce que vous faites s'enregistre. Qu'est-ce que je veux qu'elle fasse cette macro ? Qui me supprime le contenu de cette cellule, de celle-là, de celle-là, de celle-là, de celle-là, de celle-là et de celle-là. On y va. Je clique sur enregistrer macro. D'accord ? Jusque-là, il n'enregistre rien du tout. Je vais lui dire, cette macro-là, je vais la nommer vider. Je lui donne un nom. Vider forme. Par exemple. Je l'appelle comme je veux. Nouvelle facture, nouvelle commande. L'essentiel, c'est que lorsque vous nommez vos macros, vous ne mettez pas d'espace. Parce qu'en fait, ce sont des noms de fonctions en programme. C'est des programmes qui s'écrivent. Et la programmation, dans les noms des fonctions, il vous interdit de mettre des espaces dedans. Bien. Ici, si vous voulez faire un raccourci pour l'exécuter, par exemple, ça c'est pas. Je ne l'ai pas encore. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'enregistre la macro qui va vider mon formulaire. Et après, je vais l'associer au bouton macro. Ça marche ? Je veux que ma macro agisse sur ce classeur. On va lui donner une description. Cette description, vous allez la retrouver dans le programme. Je vais lui dire permet de vider les zones de saisie des commandes. Par exemple, c'est pour information. Ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer. C'est juste pour mon information. Quand je clique sur OK, il va commencer à enregistrer ce que je fais. Toutes les actions que je vais faire, il va les enregistrer. On y va. Je clique ici. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller là. Et je tape supr. Il va me vider. Je vais aller là. Je tape supr. 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 J'ai terminé. Après, quand il aura fini, il va me mettre sur cette cellule-là. Je vais lui dire de faire ça aussi. Hop. Et je clique sur cette cellule, il va se mettre au début du formulaire. Toutes les étapes que j'ai faites, il est en train de les enregistrer et on va voir derrière ce qu'il va faire. Et je vais arrêter l'enregistrement. Je clique ici pour arrêter l'enregistrement. Hop, il a enregistré ma macro. Regardez l'effet. Alors, je vais remplir n'importe quoi ici. Je vais choisir ici un client. Je vais faire un numéro de devis n'importe lequel, D01 sur 2017. Ah, j'écris des bêtises. Je donne n'importe quel numéro. Allez. La date de la commande, c'est aujourd'hui. Je fais le 07/01
2017. Le pôle, je vais le choisir. Le type, je vais le choisir. Le montant, je mets ici. Et la date, je fais le 12/01/2017. Et je vais voir est-ce que ma macro, elle marche. Avant de l'affecter à ce bouton-là, je vais voir est-ce qu'elle marche. Alors, je vais aller sur développeur ici. Je vais aller sur développeur. Je clique sur macro, là. Regardez la macro que j'avais créée. Elle est là. Je vais l'exécuter pour voir est-ce qu'il me vide vraiment ça. Il me met la souris ici. Et je fais exécuter automatiquement. Il m'a vidé le formulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Si je vais aller sur... Si je veux voir le programme qu'il a fait. Et là, on apprend des petites choses au fur et à mesure. Par exemple, moi, quand je vais... Voilà. Moi, quand j'ai besoin de faire une étape dans ma macro. Vider, par exemple, cette cellule-là. Qu'est-ce que je fais? Je crée une petite macro qui fait que ça. Vider une cellule et je vois quel est le programme qu'il a écrit. Je fais du copier-coller et je l'arrange. En général, ça se passe comme ça. Je vais vous montrer dans le deuxième TP par rapport à votre besoin de l'envoi des emails automatiques par rapport à une liste de clients. J'ai essayé de faire ça avec l'attachement et tout, à partir d'un fichier Excel. Mais tout a été récupéré d'Internet et adopté. Tout a été récupéré. Je n'ai pas écrit le code moi-même. Alors, je vais aller sur Visual Basic. Quand je vais sur Visual Basic ici, là, c'est les modules de feuilles. Ça, c'est mes feuilles que j'avais écrites. Mais il a créé un petit dossier module, là, en bas. Et lorsque je vais ouvrir, je double-clique sur module 1, qu'est-ce que je trouve ici? C'est le nom de ma macro. En fait, il a écrit un programme, ça s'appelle une fonction, une procédure, sub, qui s'appelle VideForm. Et regardez ce qu'il va faire. Ça, c'est range de D7. Si je vais aller sur... là, c'est ça, c'est la ligne D7, c'est-à-dire dorénavant, qu'est-ce que je fais lorsque je veux sélectionner, ça c'est sélectionner D7, c'est range de D7 point select. Donc, on peut le faire manuellement. Croyez-moi, je ne fais jamais manuellement. Oui, si vous apprenez toute la syntaxe de VBA, vous pouvez l'écrire à la main. Sauf que moi, ce que je fais, j'écris la macro, je le laisse la mettre dans le module qu'il veut, il lui donne un nom, et je l'adopte. Parce que vous allez perdre beaucoup de temps en faisant ça, à la main. J'ai un tableau de taux de remplissage. Il a l'habitude. Mais toi, en tant que producteur non averti au niveau de la programmation, il faut tricher. Parce que même le développeur lui-même, lorsqu'il ne connaît pas la syntaxe, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la syntaxe, il l'apprend, il l'expérimente et il l'adopte. Alors, là, ici, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il a fait ici? Maintenant, si je ne veux pas qu'il me sélectionne et qu'il me vide, la D plutôt, ça c'est pour la sélection. La dernière sélection qu'on avait fait, vous voyez le code? Et ici, je vais zoomer un peu. Vous arrivez à voir? Ça, il a sélectionné la D9 et il a fait sélection point ceci, là, point clear content, c'est-à-dire qu'il vide le contenu. La sélection, c'est celle-là, celle qu'il a sélectionnée. La sélection courante, il l'a vidée. Et maintenant, je peux faire ce que je veux avec. Si je veux faire la même chose pour un deuxième formulaire, je prends le code, je le mets, je change que les adresses. L'adresse, c'est celle-là, l'année, qui est entre deux guillemets. Mais, pour que ça arrête à vous faire peur, le VBA. Il fait pas mal de choses lui-même et nous, on adopte.
Maintenant, si j'ai besoin d'une autre action, une autre cellule à calculer, écrire une formule, n'importe quoi, je la fais dans une petite macro, à la main, j'enregistre le code et je le prends, et je le remets ici. Et il va faire tout le programme qu'il y a. Vous allez voir, tout à l'heure. Alors, je reviens, ça c'est pour le... Alors, là c'est le module, là c'est le module 1. Bon, en général, oui, il crée une procédure par module, mais on peut mettre plusieurs procédures, plusieurs macros, dans le même module. Moi, je ne me casse même pas la tête, je le laisse faire. Et j'adopte. Je ferme ça. Maintenant, ma macro, elle marche. Je l'ai exécutée tout à l'heure, elle marche. Je vais aller ici, sur cet objet-là. Je vais faire touche droite. Et je vais faire affecter une macro. Vous voyez là? On y va. Je vais lui dire, tu m'affectes cette macro-là. Et je veux qu'il le fasse que pour ce classeur-là. Le classeur courant. Et je fais OK. Regardez. Dès que je lui affecte le macro, dès que je mets la souris dessus, il me donne la main. Alors, je vais tester. Est-ce que ce que je dis est vrai? Je vais mettre n'importe quoi ici. N'importe quoi là. Je peux aussi faire une validation sur le format de date. Voilà. 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 Et je fais... Bon, je vais me casser la tête. Bon, je fais du EE. Il dira rien. Non. Bon, il faut mettre une date. Allez, 12. 12. 17, on peut pas. D'ailleurs, le contrôle, il est fait pour ça aussi. Alors, le 0, 9, 12, 12, pareil. Allez, il est... Oh là là. Allez, je fais copier, coller. Et je fais le 11. C'est pas mon objectif pour aujourd'hui. C'est bon, c'est bon. Alors, lorsque je clique ici, regardez, hop. Il m'a appliqué la macro sur ce bouton. Rien, rien. Bon, j'ai commencé par la macro la plus simple. C'est le fait de vider. Maintenant, je ne suis plus frustré. Je sais que ma macro, je l'ai enregistrée. Si je veux voir mon code pour l'adopter, je ne sais pas. Je voudrais qu'il me donne réellement tout à l'heure, je fais tout sélectionner comme ça. Je voudrais rajouter une petite ligne de code qui me permet d'avoir le curseur encore, comme ça, qui écrit. Je l'ai oublié. Vous me suivez? Simple. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire enregistrer une macro. Je l'appelle macro 2 parce que je vais la supprimer. On ne peut pas modifier la première. Si. Ah, okay. Mais je n'ai pas le code pour avoir le curseur qui clignote. Moi, je me mets à votre situation. J'ai besoin de ce petit bout de code. Je triche là. Je crée une macro bidon. Je vais lui dire OK. Et je vais lui dire tu me mets le curseur ici. J'arrête. Qu'est-ce qu'il fait là? Il ne veut pas me la donner là. Parce que je veux écrire, il ne veut pas. J'ai choisi le mauvais exemple. Mais bon, je vais aller sur Visual Basic. Vous voyez qu'il a écrit ici dans le module. Là, je suis dans le module 1. Il a écrit Select. Il a fait des bêtises. Et il ne me donne pas la main pour le curseur. Un petit programme. Moi, je crois que... Point focus, je crois, non? Allez, je vais tester point focus. Non. Point get. Point got. Get. Non. Il n'y a pas. Point. Tout à fait. C'est ce que je voulais faire d'ailleurs. Bon, je vais faire autre chose. Je vais la supprimer. Des macros, regardez,
Macro 2, je la supprime, je fais OK. Si je vais aller sur Visual Basic, il a disparu. Je vais créer une autre macro, par exemple, lui changer de couleur, celle-là. Je vais lui changer de couleur. Je ne sais pas comment l'écrire. Voilà, je vais tricher, j'enregistre une macro, je fais macro 3, je fais OK, je vais aller là, et je vais sur accueil, et je vais lui changer de couleur d'arrière-plan, par exemple. Je suppose que je vais faire comme ça. D'accord? Et je vais aller sur développeur et je vais arrêter ma macro. Je vais aller sur Visual Basic. Regardez ce qu'il a écrit. Vous voyez? Je vais lui dire, prends-moi ça. CTRL-C. Et regardez, je vais mettre un petit commentaire. Le commentaire, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas pris en charge dans le programme. Je vais mettre, par exemple, pour un séparateur, pour savoir que c'est bon. Ça, ce qui est en vert, vous mettez une petite apostrophe avant, il n'est pas considéré dans le programme. Vous pouvez écrire vos propres commentaires pour commenter vos codes, pour le futur. Et je vais faire coller ici. Vous voyez? Ça marche. Ça, c'est le code avec lequel il y a... Bon, il a sélectionné ainsi de suite. 8 sélections. D7, c'est la dernière qui a été sélectionnée. Et ce 8 sélections, ça veut dire la cellule sélectionnée. Ça va? Vous me suivez? Alors, je vais aller sur... J'enregistre. Je ne me casse pas la tête. Je le laisse tranquille. Parce que l'enregistrement... Bon, je vais l'enregistrer quand même. Regardez. Là, il me demande d'enregistrer le... Moi, je voulais faire ça à la fin, l'enregistrement du fichier. Si vous l'enregistrez normal avec un X, LSX, il ne va pas prendre en charge les macros que vous avez créés. Pour qu'il prenne en charge, regardez, je clique et je fais classeur Excel en prenant en charge les macros. Vous voyez? Et là, il a créé un fichier XAML, XLSM, d'accord, qui prend en charge les programmes que vous avez créés. D'accord. Et je fais enregistrer. Là, il a changé son extension. Ce n'est plus le même. Je ferme. Je vais aller sur macro, j'enlève la macro 3, je n'en ai pas besoin. C'est pour vous dire qu'il n'existe plus. Mais ma macro 2, il a été enrichi avec le code que j'avais triché tout à l'heure. J'avais récupéré. Je ferme. Regardez. Je reviens sur ça et je le remets normal tel qu'il était avant. Maintenant, je vais le remplir. J'ai pas fait de... Je vais le remplir. Je fais le devis 1. La date de la commande... Le 12-12-12. Ici, je vais mettre le pôle, je vais le choisir. Et le type, je vais le choisir. Ici, le montant, je mets n'importe quoi. Et je fais un copier-coller de là à là. Pour arrêter de casser la tête. D'accord? Regardez ce qui va se rajouter au niveau de ma macro lorsque je clique sur nouveau. Il a rajouté l'instruction que je lui ai donnée pour qu'il me fasse la couleur au niveau de ça. Ça marche? En fait, c'est ça une macro. C'est ça une macro. Mais la majorité du temps, il faut, lorsqu'on sache ce qu'il fait derrière, et lorsqu'on est en train d'utiliser l'assistant macro, maintenant on est averti, on ne fait pas des bêtises. Et si on les fait, on va sur le code, au lieu de reprendre toute la macro, on va sur le code, par exemple, j'ai fait une action de plus qu'il ne fallait pas faire. Eh bien, je vais aller sur le programme et l'enlever. Il ne va pas la faire. Maintenant, je vais voir enregistrer. Ce qu'il doit faire, il doit prendre les données de là à là, il doit me les mettre dans une ligne ici. Alors, j'ai un petit problème dans mon data. Où est-ce qu'il va ajouter cette ligne-là? D'abord, je vais enregistrer. J'ai une base qui est pleine. D'accord?
et je vais enregistrer une macro, c'est-à-dire qu'il va prendre toutes les données qui sont ici, il va me les étaler là, en horizontal. J'ai une base, dans ce cas-là, elle est vide, mais il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il est rempli, je ne connais pas la dernière ligne. Je ne connais pas la dernière ligne, mais je connais la première ligne. Voilà ce qu'on va faire. Le scénario qu'on va lui demander de faire, c'est un peu en réfléchissant. Je vais lui dire, elle est pleine. Par exemple, cette plage, elle est pleine. Je ne connais pas laquelle. À quel moment, quelle est la ligne qui est vide. Moi, je ne me casse pas la tête. Je vais lui demander à chaque fois de m'ajouter une ligne, touche droite, et je fais insertion. Voilà ce que je vais lui demander de faire. Je vais lui dire de me prendre... Alors, c'est une ligne qui est ajoutée, c'est une ligne standard. Je vais formater celle-là en date. Je vais formater celle-là en monétaire. Je vais formater celle-là en date. Et je vais prendre les valeurs qui sont là et de les copier et de les coller. Ça va? On s'est mis d'accord sur le principe. Ce que je veux, tu le fasses. D'accord? À chaque fois que je clique sur enregistrer, voilà ce qu'il va faire. Il va aller sur le data command, il va ajouter une ligne. Ça marche? Je vais faire le copier-coller de là, de celui-là, je vais le mettre ici. De l'autre, je vais le mettre celui-là, je vais le mettre là. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ça marche? Après, je vais formater cette cellule-là pour qu'elle devienne date. Parce que par défaut, lorsque j'ajoute une ligne, il n'est pas formaté. Et je vais formater, c'est juste pour un affichage correct. Je vais formater celle-là en date, et je vais formater celle-là en monétaire, et j'aurai une ligne de commande tranquille, sans problème. Je vais lui demander de faire ça. Là, je vais enregistrer toute cette opération, il va la faire. Mais après, je vais lui demander de me vider le formulaire, et je suis tranquille. Alors, regardez, je vais aller sur saisie des commandes, je suis là. C'est de là où démarre ma macro. Je vais aller sur développeur et je vais, regardez, je vais enregistrer une macro, je vais l'appeler enregistrer. Il faut donner des noms significatifs parce que vous allez les retrouver au niveau de la liste des macros et vous allez les retrouver au niveau de vos programmes. Toujours pas d'espace. Enregistrer commande. D'accord? Je vais la décrire pour enregistrer une nouvelle commande. Voilà. Sur ce classeur, il n'y a pas de problème. Je commence. Top. Je vais aller. Voilà ce qu'il va faire. Il va aller ici. Il va aller là. Il va faire une insertion de ligne. Il va formater cette cellule-là. Il va la mettre sous forme de date. De date courte. Il va aller sur le montant. Il va le mettre sous forme monétaire. Où est-ce qu'elle est monétaire? Elle est là. Il va aller sur ça. Il va me prendre ça sous forme de date courte. Il va aller sur le montant. Bon, ça me suffit. Après, voilà ce qu'il va faire. Il va aller sur la saisie des commandes. Il va faire un copier du client. Il va aller sur data commande et faites attention à ce que je vais faire là. Vous faites touche droite et vous faites collage spécial. Vous ne collez que les valeurs pour qu'il ne prenne pas la mise en forme. Ça marche. Collez la valeur. Je vais aller sur, il faut faire attention à tout ce que vous faites. Touche droite, copier, data, vie, touche droite, collage de valeurs. Droite, copier, faut être patient. Date de commande, touche droite, collage de valeurs. Je vais aller sur le pôle, copier. Oui.
Il faut tricher intelligemment, c'est tout. Copier. Type. Je suis sur le type, je ne fais pas de bêtises. Collage de valeurs. Je vais aller sur le montant. Copier. Commande. Collage de valeurs. Je vais aller sur la date de livraison. Copier. Et touche droite, collage de valeurs. Après, voilà ce que je vais faire. Je vais sélectionner tout ça. Et je vais double-cliquer sur cette ligne-là pour qu'il arrange le contenu. Comme ça, j'aurai toujours, je n'aurai pas les dièses. Je réfléchis à ce qui peut se passer. De toute façon, moi, avant d'enregistrer une macro, je fais toute l'opération comme s'il n'y avait pas de macro, j'enregistre rien du tout. Je me dis, voilà ce qu'il doit faire, voilà ce qu'il doit se faire. Je mémorise et je fais toute l'opération en enregistrant le macro. Après, il va me revenir ici sur la saisie des commandes et il va se mettre là. C'est ce que je veux qu'il fasse. C'est tout. Je fais un petit échappe là et je me mets là. Hein? Je l'ai inséré. Oui, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai ajouté la ligne, je l'ai formaté. J'ai formaté les cellules et j'ai commencé à faire du copier-coller. Alors, je vais aller sur développeur et je vais arrêter l'enregistrement. Ça marche? Je vais tester avant d'affecter à ce bouton-là. Je vais tester la macro. C'est enregistrer macro, enregistrer commande. Je vais choisir un client. Je vais mettre un numéro de devis. Je vais faire le 12-12-17. Je vais choisir un pôle. Je vais choisir un type. Je vais choisir écrire un montant. Et je fais une date de livraison. Je fais ce que je veux. Ici, je vais la même date de livraison. Ça marche. Et je vais tester. Est-ce que ma macro, elle fait ce que je veux pour voir avant de l'affecter. Je clique sur macro. Je fais enregistrer commande. Regardez ce qu'il va faire. Hop, exécuter. Si vous voyez dans la data commande, il les a enregistrés. Oui, mais je peux le faire. Ça n'a rien à voir avec le macro. Je vais créer une cellule, faire l'opération. Regardez. On va voir ça. Vous avez de la pitié maintenant. Je vais refaire. Je fais touche droite ici. Allez. Touche droite. Et je fais affecter une macro. Je vais lui dire enregistrer. Je fais OK. Voilà. Dorénavant, je clique. Il enregistre. C'est magique. Comme ça, vous avez une base de données que personne ne touche et vous avez un formulaire à partir duquel tout le monde saisit. Vous l'équipez, il n'y a pas de problème. Alors, celle-là, masquée. Ça, c'est la sécurité sur le classeur. Oui, c'est possible. D'accord, ça, il ne voit plus là. Maintenant, si je veux la... Je crois que je peux faire ici. On peut programmer l'accès à l'envoyer affiché. Pardon ? On peut programmer l'accès à l'envoyer affiché. Et dans ma compte, je vais, par exemple, enregistrer, après envoyer à... Non, c'est bon. Oui. C'est possible. Oui. On va voir dans le deuxième TP que je vous ai préparé. L'envoi et vous attachez le fichier que vous voulez. Avec même l'attachement, vous pouvez choisir votre fichier ou le faire automatiquement. Mais habituons-nous au macro. D'accord. Par exemple, après l'enregistrement, vous avez imprimé. Vous avez imprimé à l'envoi.
est possible. Tout est possible. Voilà, tout est possible. Alors, regardez, si je vais aller sur Visual Basic, tout ce que j'ai fait ici, regardez, enregistrer commande, c'est pour enregistrer, ça c'est le commentaire que j'avais écrit tout à l'heure. Et bien ce que j'avais fait, c'est ça. Ça par exemple, regardez, ça par exemple, dans ta commande, il sélectionne, là il sélecte, là qu'est-ce qu'il fait? Il fait une insertion. Alors déjà, vous avez l'approche. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il change le format. D'accord? Là, il sélecte. Là, il change le format. D'accord? Regardez. Et bien, tout ça, c'est ce que je viens de faire. Ok? Bien. Hein? Alors, je refais le macro pour que vous soyez tranquille. Alors, la macro, je la supprime, enregistrer, hein, je fais supprimer, je fais OK, c'est bon. Qu'est-ce que j'avais fait? J'étais là. Ça marche? Je vais enregistrer la macro. Je vais enregistrer commande. Voilà. Je vais lui donner quand même un commentaire pour enregistrer une nouvelle commande. Prenez votre temps. Il faut rester tranquille lorsque vous faites des macros. Alors, je fais OK. J'ai ouvert le data commande, j'ai fait ici, j'ai inséré une ligne. Je suis allé ici, j'ai formaté la date en date courte. Je suis allé ici, j'ai formaté en date en monétaire. Je suis allé ici, j'ai formaté en date courte. C'est ça. Après, je suis allé sur la saisie des commandes. J'ai fait un copier ici. Moi, j'ai fait CTRL-C maintenant pour aller rapidement. Je suis allé là et j'ai fait touche droite et j'ai fait coller les valeurs. Je suis allé ici, j'ai copié ça. Et je suis allé là et je fais collage des valeurs. Je suis allé ici, CTRL-C et data commande, je suis là et je fais collage de valeurs. Je suis allé ici, j'ai pris le pôle et dans data commande, je peux faire un collage de valeurs. Ici, CTRL-C et je suis allé là et je fais un collage de valeurs. Je fais CTRL-C et je fais un collage de valeurs. J'ai fait CTRL-C et j'ai fait un collage de valeurs. Je suis revenu sur ma commande. Si je veux, par exemple, je lâche et je me mets sur la cellule client. J'ai terminé. C'est ça ce que je voulais faire. Je vais aller sur développeur et j'arrête l'enregistrement de la macro. Ça marche? Je vais aller sur celui-là et je vais mettre affecter une macro, enregistrer commande et je fais OK. Regardez que lorsque je vais enregistrer, hop, il a fait tout ce que je lui ai demandé de faire et il m'a enregistré celui-là. OK? Alors, je vous laisse le temps de faire la première macro qui me permet de vider ce formulaire et de l'affecter. Vous créez votre formulaire rapidement, vous créez la macro pour vider, et puis vous créez la macro pour enregistrer. Allez-y. Bien. Alors, je vais enregistrer plusieurs devis sur de plusieurs types, par exemple. Enregistrer. Je vais un autre.
et je vais l'enregistrer avec un autre type. Pour faire mes tableaux de bord, je dois les dispatcher sur les années, des dates différentes, des montants, des pôles et des types différents. Je vais encore changer par type. Voilà. Alors là, j'ai mes data commandes qui sont un peu pleines. D'accord? Bien. Maintenant, regardez, je vais aller sur mon menu, ici. Ça, c'est mon... Ça, j'ai créé une feuille qui s'appelle tableau de bord. Et je vais aller sur menu, là. Je vais lui envoyer le cadrage, lui enlever le cadrage. Alors, le cadrage, où est-ce que je vais l'enlever? Dans affichage, je crois. Alors, je vais aller sur affichage, vous me suivez? Je vais aller sur affichage, j'enlève le cadrage. Comme ça, je n'aurai pas les lignes qui s'appellent. Là, c'est les cadrages des cellules. Alors, j'ai sélectionné tout ça, je suis allé sur affichage. C'était comme ça, je lui ai enlevé le cadrage. Et je suis allé sur... Je vais aller sur accueil. Je vais lui changer de couleur de cellule. Je lui donne cette couleur-là. Et je vais faire un menu pour mon applicatif. Je fais une insertion, forme automatique. Et je vais choisir une forme qui peut m'arranger. Qu'est-ce qui peut m'arranger? Qu'est-ce qui peut me servir de... Je prends celle-là, par exemple. Je prends celle-là et je la mets là. Je la mets en forme, je double-clique, je la mets en forme, je la mets comme ça, et je dis, par exemple, ici, alors, ici, modifier le texte, et je fais saisie des commandes. Voilà, je vais l'agrandir un peu, tu me donnes ça, puis je le rends plus petit, voilà. Je suppose, je suis en train de gérer mon menu. Alors, je vais faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, je vais l'arranger en hauteur, comme ça, il reste tranquille, et... Voilà, je le mets comme ça, je fais monter un cran, et je le laisse tranquille. Ici, je vais par exemple voir, mon tableau de bord, tableau de bord, voilà. J'ai oublié de faire la chose suivante, la saisie des commandes maintenant. Je sécurise toutes les formats de cellules. Je verrouille tout. Je vais aller là. Contrôle. Là, 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 là. Et je fais touche droite. Et je fais format de cellules. Et je fais déverrouiller. Je fais OK. Je vais aller sur révision, c'est ça? Protéger la feuille. Je laisse que la sélection. Je mets un mot de passe par exemple, je mets 1, 2, 3, 4 et je fais OK. 1, 2, 3, 4 et je fais OK. Et là, regardez que je ne peux circuler que sur, d'accord, que sur que sur mon formulaire. Ça, c'est pour le formulaire. Alors, je vais aller sur le tableau de bord, la saisie des commandes. Qu'est-ce que je vais lui dire de faire? Alors, je vais créer une petite macro. Il y a deux façons de faire, ici. Soit, vous mettez sur cette cellule-là et vous faites... Allez, ici. Vous faites, je crois, touche droite. Et vous faites un lien hypertexte. C'est comme le lien sur le web. En fait, c'est plus facile de faire comme ça. C'est pas la peine de créer une macro pour rien.
C'est une autre façon de faire. Ou vous créez une macro dans laquelle vous ouvrez la feuille. C'est comme vous voulez. Mais on va faire le lien hypertexte. Alors, je crée un lien hypertexte. Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Alors, sur le document emplacement dans ce document, d'accord? Regardez. Et là, je peux aussi exécuter, ouvrir un fichier si je veux. Mais moi, ce que je veux, c'est ouvrir quoi? La saisie des commandes. Celle-là. D'accord? Regardez, lorsque je me mets là, je clique, il va sur la saisie de commandes. Vous n'avez pas besoin de macro dans ce cas, vous pouvez utiliser un lien hypertexte. C'est un lien comme le lien que vous cliquez sur une page web. Je vais aller ici. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que les macros, en fait, si vous les créez en 2010 ou là, en 2007, et vous voulez les réutiliser en 2010, ils ne marcheront pas. Parce que la syntaxe de l'écriture du code, elle a changé d'une version à une autre. Il faut l'adapter. Pour des choses simples, vous faites des choses simples. Allez. Je veux qu'il aille sur mon tableau de bord. Je fais OK. Il va aller sur mon tableau de bord. D'accord? Alors, dans la saisie de commande, ici, si je veux revenir au menu, je vais aller là. Bon, j'ai sécurisé. Je vais ôter la protection pour que je puisse travailler. 3, 4. Là, il a ôté la protection. Je vais aller sur cette... et je fais lien hypertexte. Et cette fois, où est-ce que je vais aller? Je vais revenir sur menu. D'accord. Il va. Je clique. Il me fait revenir sur menu. Maintenant, dans mon tableau de bord, je vais exploiter les données sur mon data commande. Par exemple, je veux le chiffre d'affaires, par année, par rapport à la date de commande. J'y vais. Alors, je vais changer un peu. Je vais remettre ça à 2015, juste pour que je puisse travailler. Et mon tableau de bord, je vais me mettre là. Alors, je laisse cette partie-là, je la laisse tranquille. C'est pour mon titre et pour ma présentation. Je me mets là et je fais insertion, tableau croisé dynamique, la sélection, je fais, là je suis obligé de créer une plage dynamique, comme on l'avait fait auparavant parce que ça évolue dans le temps. Mais nous, on n'a pas le temps de le faire. On va aller sur Data Commande et on va lui dire, tu me fais cette plage-là. Allez, on y va. On va voir ce qu'ils vont faire. Moi, je veux les chiffres d'affaires par année. Qu'est-ce que je prends? Je prends le montant, d'accord? Et je le mets dans valeur. Et ici, je fais la somme. Je fais la somme. Il va me regrouper ça. Et puis, par date de commande. Là, il l'a mis ici. Et après, si je veux les chiffres par année, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller ici et faire grouper. Et là, je veux par année. Hop, et il m'a affiché au-dessus de ceci. Pourquoi il m'a affiché ça? Inférieur à ça, puisqu'il a trouvé que dans ma plage, la plage que j'avais sélectionnée, il n'y avait pas de données. Parce que j'ai sélectionné toutes les colonnes. Alors, la meilleure façon, c'est de créer une plage dynamique. On peut le faire si vous voulez. Mais bon. Alors, je vais trier de A à Z, puis de Z à A. Il va me donner les données les plus récentes. Ici, je fais... Pourquoi il me fait par moi? Alors, je fais grouper, et là, je ne veux pas par mois, voilà, je veux par année, et je vais faire de Z à A, et me donne les dernières années que je veux. Bien, maintenant, je vais aller ici, je vais modifier mon tableau de bord, je vais faire année, et ici, je vais faire CA, par exemple.
Je vais me mettre là, là. Alors, je peux lui donner une forme un peu plus intéressante. Création. Je vais voir qu'est-ce que je peux avoir comme type de tableau. Après, vous arrangez comme vous voulez, hein. Bon, on y va. Là, j'ai le chiffre d'affaires par année. Je vais aller ici. Et je fais insertion plutôt ici. Je fais donc création. Non, non. Ça, c'est mon tableau croisé dynamique. Je fais option et je fais. Où est-ce qu'il est graphique? Et voici si un petit graphique que je peux avoir. Bon. Insertion et je fais par exemple ce graphique-là. Je prends celui-là. Là, il me crée un graphique que je veux. Je vais fermer ça. Je vais lui dire de m'enlever tout ça, masquer tous les boutons. Voilà. Et ici, je vais lui dire CA par année. Ça, tout le monde sait le faire. Et je vais enlever celui-là. Et là, et rendre celui-là plus petit. Voilà. Et je le mets juste au-dessus. Je n'ai pas besoin de détourner, par exemple. Je voudrais mettre seulement un. Et je vais aller ici et je fais touche droite. Ajouter les étiquettes données et j'ai les chiffres. Ça, c'est mon premier graphique. Le deuxième graphique, je me mets là, par exemple, et ici, je fais insertion et je fais tableau croisé dynamique. Non. Je prends la même plage de data commande. Ici. Prendre la même plage, comme ça, il me donne les données. Alors cette fois, je veux par année et par pôle. D'accord? Et ici, je prends le montant et je le mets dans le sigma de valeur. Il a mis par défaut bon, je prends ça et je le mets là. Maintenant, je veux un graphique qui me représente par année, puis par pôle. Je le mets comme ça. D'accord? Je vais fermer tout ça. Celui-là, il me gêne un peu. Je vais le rendre plus petit. Voilà. Et là, je vais aller ici. Et je vais grouper par année. Voilà. Il m'a fait le groupement par défaut. Après, je me mets là. Et je fais. Je mets dans création, option, option. Je me mets là et je fais trier. Je fais trier de Z à A. J'ai les données. Ici, je fais l'année. Année. Ici, je fais pôle. Qu'est-ce que j'ai fait? Par pôle ou par type? Par pôle. Et là, j'ai pas besoin de cette. Alors, le pôle article industriel est ici. Pour le total, j'ai pas besoin de option de tableau croisé dynamique. Et là, je ne veux pas qu'il m'affiche les totaux. Le total ici. Ça. Ici, la liste des champs, il me fait. Alors, je vais afficher la liste des champs. Non, je veux qu'il me fasse les sommes ici, qu'il m'affiche pas le total. C'est pas ici. C'est pas là. C'est là et j'ai calcul.
afficher les valeurs, les champs, résumé par valeur, aucune option. Non, c'est pas ça. Je veux qu'il ne m'affiche pas cette auto-là, la somme du montant. Voilà. Non. J'ai créé une bêtise. Celui-là. Synthétiser par somme option. Non, c'est pas ça. Je peux ne pas afficher ça. On l'a fait la dernière fois. En tête, liste bouton. Option de création. Toutes les lignes, toutes les colonnes. Les totaux généraux. Les activités pour les lignes et les colonnes. Voilà. Là, il m'a pas affiché le. J'étais où? J'étais dans Option, c'est ça? Création, les totaux généraux. Voilà. Ces totaux généraux, j'ai fait désactiver pour les et les colonnes. Comme ça, je ne veux pas le total. Je vais aller ici et je vais masquer cette cellule. Voilà. Et je vais me mettre là et je vais insérer un autre que je veux. Ici, vous avez le pôle qui est en couleur. Alors, je fais comme ça et je fais masquer les boutons, masquer tous les boutons. Et je n'ai que ça. Je le mets ici. Vous avez l'épaule. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, flash. Pourquoi tu lâches pas? Flash. Voilà. Je vais le mettre un peu plus petit et je le mets là. Il faut qu'il ait la même taille. Ça, c'est mon graphique pour 2006 et pour 2017, 2016 et 2015. Je vois que le nombre de commandes il n'est pas trop grand. Alors, si je vais aller ici, et je vais, pour que j'ai un graphique correct, regardez, dans mon tableau de bord, je me mets là, il n'a pas actualisé. Je fais option et je fais actualiser. Où est-ce qu'il est actualisé? Voilà, actualiser. Et là, j'ai un graphique qui est à peu près correct. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est que... Alors, regardez, il y a un petit souci ici. Lorsque j'arrange ça, vous avez des graphiques qui... Le graphique, il devient plus petit. Alors, je peux l'interdire. Regardez. Je peux me mettre sur ce graphique-là. D'accord? Je vais lui donner la taille que je veux. Par exemple, ça. Et je vais aller ici. Et je vais aller sur le format. Où est-ce qu'il y a le format? Format de la forme graphique. Et là, dans taille. Pas dans taille. Dans propriété du graphique, vous faites ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Ça existe à partir, je crois, de 2010. Regardez si vous l'avez sur 2007. Après, tout à l'heure, quand vous aurez fait le TP. Je fais comme ça, quand je rends... Oh, il fait ce qu'il veut. Si je mets ça comme ça, il ne bouge pas. Mais lorsque je le mets dessus, ça agit dessus. Alors, on verra. On va voir. Si je diminue la cellule. Non, il ne bouge pas. C'est celui-là qui bouge. Et
Je vais faire la même chose ici, format de la zone graphique, et je fais, qu'est-ce que j'ai fait, taille, c'est ça, hein, propriété, ne pas déplacer avec, centre dimensionné, et là, regardez, lorsque j'agrandis ou j'ai diminué la colonne, il ne bouge pas. Alors, pour moi, regardez, je vais lui donner pratiquement le même format que celui-là. J'espère qu'il doit le faire, non, il ne veut pas le faire. Je veux qu'il me propose des choses. Alors, il me proposera ça, par exemple. Non, il a la même couleur, ça ne m'arrange pas. C'est des couleurs qui sont tellement proches. Celui-là, par exemple. Bon, je le laisse tranquille pour le moment. Alors, cette partie-là, je vais la mettre en haut. Et ici, je peux, format de la légende, je la mets en haut, voilà, et se met en haut, comme ça. Comme ça, il a resté me casser la tête. Et j'exploite la largeur de mon graphique. Alors, comme le tableau de bord, il contient plusieurs graphiques, il faudrait que j'exploite correctement mes données, ma feuille que je vais imprimer. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est les listes. Regardez, je vais aller sur... où est-ce qu'il est ? Sur analyse, d'accord ? Sur analyse, ici, je vais insérer un segment. Regardez, je vais insérer un segment. Un segment, et je fais ce segment par exemple par pôle. Regardez, je fais un segment par pôle. Il va me lister la liste des pôles qui sont dans le tableau 3D dynamique. Vous voyez, alors à quoi sert ce segment? Regardez, alors ce segment là il est lié à celui-là. En fait, il n'est pas lié au graphique, il est lié au tableau 3D dynamique. Lorsque je clique ici sur industriel, il va m'afficher que celui de l'industriel. Je fais sur arrêté, il va m'afficher que sur arrêté. Ça, c'est pour lorsque vous faites des présentations en fait live. Et là, vous voulez faire. Lorsque vous cliquez ici, il revient sur les données. Là, il filtre. En fait, réellement, ce qui se passe, c'est que lorsque je suis ici sur ce tableau 3D dynamique, je vais les laisser. Pour qu'on puisse les voir. Voilà. Et celui-là, je vais lui donner la même taille que son tableau, par exemple, ici. Lorsque je clique sur article, là, regardez qu'il a filtré sur ART. Et là, il a filtré seulement sur celui-là. Lorsque vous cliquez, en fait, vous agissez sur la source elle-même. Mais évitez de mettre les graphiques en bas, là. Parce que les tableaux, ils évoluent en hauteur. Là, c'est pour les listes. Alors, qu'est-ce que je veux faire aussi comme information? Je les fais par année et par pôle. Je me mets là, je fais insertion, par exemple, tableau 3D dynamique. Je choisis aussi, je n'aime pas faire des choses comme ça, mais bon. Normalement, il faut avoir un décalé tranquille. Allez, qu'est-ce que je veux? Je veux par pôle, j'ai fait par pôle, j'ai fait par type, par. La sélection, c'est pour cela qu'on avait parlé des plages dynamiques. Mais il va évoluer dans le temps. Ah, logiquement, il faut le faire correctement. Allez, on va le faire. C'est ça, on le fait. On le fait. Allez, ça me servira de rappel. Je vais enlever tout ça.
supprimer. Je supprime tout ça et je vais créer une plage dynamique. Allez. Pour créer la plage dynamique sur les data commandes, qu'est-ce que j'ai? Alors, est égal à décaler. Décaler de quoi? Je prends, alors ma cellule, elle commence à 1-1. C'est ça? À 1. Et à 1 pour 1,. Le nombre de lignes, 0. Le nombre de colonnes, 0. Parce que je veux prendre tout ça. 0. 0, 0, ça c'est la hauteur. La hauteur, on avait dit que c'est n déval de a à a. Oui. C'est ça? Pour qu'il me prend toute la colonne. N béval, on avait dit c'était quoi? N béval de a, de point, c'est le nombre de valeurs pleines, de valeurs non vides. De a à a, et le nombre, la largeur, c'est np val de quoi? De 1 à 1. C'est ça? Il a déjà écrit de 1, de point 1. Je ferme ça. Et qu'est-ce qui me reste? Je ferme ça. Très bien. Il faut la garder précieusement, cette formule. Maintenant, je vais aller sur formule. Bon, je vais sortir de là, là. Gestionnaire de nom, et je fais un nouveau. Et je fais data. Je l'appelle par exemple data. Ça marche? Et ici, il faut faire très attention. Vous faites CTRL V. Et vous ne faites rien d'autre. Vous faites OK. Et vous faites fermer. Ça marche. Comment? Ado? Quel champ? Ça va pour décaler? Non? Alors, on revient sur décaler. Qu'est-ce que j'avais écrit ici? Est égal à ça. C'est décaler de quoi? De 1 à 1, cette cellule-là. Ça, c'est la cellule référence de la plage. Maintenant, le compte, il commence à partir d'où? De cette cellule-là. Parce qu'on a intégré le client de vie pour le tableau 3 dynamique, on en a besoin. On en a besoin. Alors, combien de décalage? 0. Je ne veux pas descendre ici. Et combien de décalage de gauche à droite? 0. Ça veut dire le. J'ai mis 0 là, 0 là. Maintenant, la hauteur, c'est combien? C'est le nombre de lignes pleines. C'est le nombre de lignes renseignées pour qu'il ne compte pas ceux-là. OK? C'est n béval de a à a. Le nombre de lignes. Hein? Tu peux faire b. Mais je suppose que tu peux faire de b à b, il marchera. Mais moi, je me dis, si le client est vide, les autres ne servent pas à grand-chose. C'est pour cela que je mets référence par rapport à cette colonne-là. Le nombre de lignes pleines dans cette colonne. D'accord? N béval de A à A, ça veut dire le nombre de lignes pleines dans cette colonne-là. 1 à 1, c'est le nombre de lignes pleines liquéninées, vu qu'ils sont là. Vu que s'il n'y a pas d'entête de colonne, il n'y a aucune information. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. Regardez, je vais faire l'exercice suivant. Regardez, je vais faire égal à mb val de a plutôt, de point A. Ça marche? Je tape entrée, il me fait 17. Il y a 17 lignes. Maintenant, si je fais n béval de 1 à 1, et moi j'ai joué avec ça, c'est 7 colonnes pleines. Regardez,
Si je rajoute n'importe quoi ici, il va devenir 8. Puisqu'il comptabilise par rapport au titre. Si j'ajoute quelque chose là, il va me faire... Bon, parce que l'a changé tout à l'heure. D'accord? Il va le rajouter. Et ça, ça me crée une plage dynamique. C'est tout. On a joué un peu avec les fonctions pour que je puisse créer cette plage qui évolue avec le temps. Parce que dans ma macro, j'ajoute une ligne, j'ajoute à chaque fois des lignes en haut, il doit la recalculer. Allez, on y va. Maintenant, je reviens sur mon tableau de bord et je vais essayer de faire vite. Alors, je fais insertion, tableau 3D dynamique. Qu'est-ce que je fais ici dans la plage? Je fais F3. Je choisis mon data. J'espère qu'il va marcher. La référence n'est pas valide. Il me pose problème. Alors, je vais revenir. Sûrement, il a été modifié parce qu'on n'a pas fait attention. Alors, je fais formule, gestionnaire de nom, data, décalé de data commande de A1, 0, 0, il me va A. Il m'a de data commande point quoi. Là, il écrit ce qu'il veut. Alors, de fait de A, de point A. Il le répète à chaque fois. Ça. Et ici, je vais lui dire, oh là 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 là, data commande, il a écrit des bêtises. Data commande, de A, de point A. Là, je suis en train de régler NBVAL de data commande de A à A. Je ferme. Ah oui, tu as raison. J'enlève tout ça et je fais de 1, 2.1. Voilà, ça marche. Ferme. Et je vais aller sur le tableau. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Et je fais insertion, tableau 3D dynamique. Et cette fois, je vais lui dire F3, data. Allez, allez, allez. Voilà. Gestionnaire de nom, data, de A, A. Pourquoi il écrit des bêtises comme ça? De 1, 2 points, 1. Voilà. Il faut faire attention à ce F3. Attends, s'il te plaît. Il fait ce qu'il veut, hein.
Add to API, je fais gestionnaire de nom, je vais le supprimer celui-là, je supprime cette espace et je vais créer un autre nom qui s'appelle data et à l'intérieur, je vais lui dire, je fais ça. Ok, c'est tout. Pourquoi il me pose toujours problème? Cette valeur-là. Je vais la renommer, celle-là. Et je vais aller sur... Je vais lui changer ça. Et je modifie là. De A, on va perdre beaucoup de temps là-dessus. De A à A. Ici. Commande. De A. A. Je fais F4 ici et je fais F4 là et je la formule de fois une apostrophe Voilà, ma plage, elle va bien. Il fallait mettre la référence data commande point ceci, point cela. Bon, elle marche. Je veux afficher quoi? Je veux afficher le montant, la somme du montant, la date de la commande, le pôle et le type. J'ai trois données. Alors, j'ai besoin de la date par pôle et par type. Je vais créer un graphique là-dessus. Je fais insertion, graphique, je vais les croiser un peu par pôle et par article. Allez, je vais insérer un graphique. J'insère un graphique ici. Là, il me dit
par pôle et par article. Regardez. Je fais touche droite et je fais masquer tous les boutons. Et là, celle-là, je la mets comme ça et je mets format de la légende. Je vais lui dire, tu la mets en haut, il me le met en vertical. Et j'aurai un graphique qui ressemble à ça. Je vais aller sur ceci et je fais afficher les, ajouter les étiquettes de données. Et là, il me donne par pôle et par, je vais l'agrandir un peu. Il me le fait par pôle et par type. Après, oui, j'ai oublié de grouper par année. Je fais année et je fais grouper et je fais par année et non pas par mois ni par jour. Je fais comme ça. J'ai des petites données maintenant. La graphique, il a suivi. Il m'a mis comme ça. Maintenant, je vais sur celui-là et je fais dans analyse, j'insère un segment. Ce segment-là, je vais le faire sur le pôle, sur le type et sur l'année, sur la date de commande. Il va me faire un filtre sur le type. En fait, c'est ça qui peut rendre... qui peut rendre votre tableau de bord significatif avec les... Voilà. Et ici, je vais l'agrandir un peu. Je le rends plus petit et je le mets de ce côté-là. Alors, si je veux voir, par exemple, on pose la question, abstraction faite sur... Je veux voir par en 2005, par exemple. D'accord ? Si je veux voir, par exemple, j'enlève les chiffres, je veux voir que les façades, parce que les dates, je n'ai que 2016. Si je vais, par exemple, 2017, qu'est-ce que j'ai ? Voilà. Sur 2016, par exemple, là, j'ai l'information sur les types, tous les types et tous les... Voilà. Je fais par pôle industriel, par exemple, je n'ai que ça. Sur article, je n'ai que ça. Sur le pôle ART par exemple, j'ai ces valeurs-là. Alors les trois étiquettes, en fait, les trois segments, ils interagissent entre les trois avec des roues, avec des, en fait, des haies. C'est-à-dire, si je veux celui de 2016, mais seulement les façades, il va me donner ça. Il m'a pris le pôle ART. Si j'enlève ça, il n'y a pas de données par rapport à ça. Si j'enlève ça, ils vont me donner les données par rapport à ce que je veux. D'accord ? Maintenant, vous allez arranger ça pour que ça marche pour vous. Et vous allez arranger vos... Alors, je peux les rendre plus petites, je crois. Je peux le changer de format. Alors, ça, je peux les mettre en gris. Il n'y a pas de gris. Ressemble à ça par exemple, je peux faire ces couleurs là. Vous pouvez faire les couleurs que vous voulez et je peux les rendre plus petits, je crois. Allez, non, il veut pas. Paramètres du segment. Vous pouvez les trier si vous voulez par ordre croissant. Par ordre de croissant, ici, ces filtres-là. Salam. Et je mets mes filtres où je veux. D'accord? Alors, vous définissez la plage dynamique et vous créez un petit tableau de bord à ce niveau-là. D'un autre côté, je vais créer un bouton. Bon, moi, je suis paresseux. Je vais sur la saisie de commande et je vais aller copier ça. Et dans mon tableau de bord, par exemple, je mets un bouton ici, coller. Il n'y a pas de coller. Je fais CTRL-V. Voilà, lorsque je clique, je reviens sur
le tableau de bord. Bien. Alors, vous créez ce menu-là. Je vous laisse le temps de créer ce menu, d'aller sur le tableau de bord, de créer un premier graphique qui vous donne l'information par qu'est-ce qu'on avait fait, par pôle, type et par année de commande. Et vous mettez les, comment ça s'appelle, les segments. Vous insérez les segments.